que vous avez acheté de la terre, alors on dit en Bretagne que vous avez tellement besoin de vous fixer. C'est le complexe. C'est complexe. J'ai besoin de penser que j'ai un endroit fixe où je pourrais me retirer un jour. Et puis je me dis, il arrivera un moment où je me retirerai, mais en fond de moi-même, je me dis, à 80 ans, je me retirerai sur la scène, plus tard. C'est la voiture. Ouais. C'est pourquoi je pense que les acteurs changent tellement de voiture. Ouais. Mais on dirait aussi que vous avez essayé toute votre vie d'échapper à la pauvreté. Vous n'avez jamais été pauvre, finalement. Vous n'avez jamais été un besoin. Mais on a l'impression que l'argent tient un très grand rôle dans votre vie, que vous avez besoin de sentir cette sécurité. Je n'ai pas besoin de sécurité, mais disons que je fais collection d'argent comme d'autres font collection d'autre chose. C'est-à-dire que le pouvoir, c'est l'argent. J'ai pas le pouvoir pour comme on était gens. En fait, savoir que je suis une vedette, c'est au prix qu'on sait que quelqu'un est une vedette. Votre grande hantise, ça, pendant longtemps, avoir de la terre, avoir quelque chose sous les pieds. C'était une mentalité d'émigré ou quoi? You imagine if you had to work in a fucking office for your whole life, as old as we are now. If we were in an office since the time we were like 23, 24 years old, it was just every day, button down, trying not to say anything, it's gonna get you in trouble. Just trying to fucking make it to 5 o'clock and then immediately go to a bar and talk shit with your friends. Thank you.
imagine if you had to work in a fucking office your whole life, as old as we are now. If we were in an office since the time we were like 23, 24 years old, man, it's just every day buttoned down, trying not to say anything that's going to get you in trouble. Just trying to fucking make it to 5 o'clock and then immediately go to a bar and talk shit with your friends. Do it all over again. Thank you.
proche que de la Terre, alors on dirait au contraire que vous avez tellement besoin de vous fixer. C'est le complexe. C'est complexe. J'ai besoin de penser que j'ai un endroit fixe où je pourrais me retirer un jour. Et puis je me dis, il arrivera un moment où je me retirerai, mais au fond de moi-même, je me dis, à 80 ans, je me croirai sur la scène, plus tard. C'est la voiture. Ouais. C'est pourquoi je pense que les acteurs changent tellement de voiture. Ouais. Mais on dirait aussi que vous avez essayé toute votre vie d'échapper à la pauvreté. Vous n'avez jamais été pauvre, finalement. Vous n'avez jamais eu un besoin. Mais on a l'impression que l'argent tient un très grand rôle dans votre vie, que vous avez besoin de sentir cette sécurité. Je n'ai pas besoin de sécurité, mais disons que je fais collection d'argent comme d'autres font collection d'autre chose. C'est-à-dire que le pouvoir, c'est l'argent. J'ai pas le pouvoir pour pouvoir commander des gens. Mais en fait, savoir que je suis une vedette, c'est au prix qu'on se calcule. Votre grande hantise, ça, pendant longtemps, avoir de la terre, avoir quelque chose sous les pieds. C'était une mentalité d'émigré ou quoi ?